Et bienvenue chez Sims. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur parce que mon ordinateur m'a lâché. Ben ouais, faut croire que c'est des choses qui arrivent, même à nous autres. Donc après 3 ans de bons et loyaux services, ben c'est un morceau quand même assez important qui a rendu l'âme. Voici le coupable. Donc, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas ce morceau-là, c'est une carte graphique. Il s'agit ici d'une Saphir Radeon Pulse avec un 8 GB de mémoire vidéo dessus. Et voilà, on ne peut pas faire grand-chose sans ça de nos jours. Je ne pouvais vraiment pas laisser ça de même. Et par chance, j'ai tendance à avoir tout le temps un morceau qui traîne. Donc, je l'ai déjà remplacé parce que j'ai sa pareille qui traînait dans un tiroir. Donc, j'ai fait la réparation. Tout va très bien. Super. Je suis content de voir que c'était seulement la carte graphique le problème. Et je serais intéressé à vous montrer comment on remplace cette pièce-là. Mais j'ai pensé que ce qui serait le fun, et qui est beaucoup moins documenté, c'est comment magasiner une pièce comme ça, comment faire pour trouver la bonne au bon prix, selon ce que vous voulez faire avec. Pour ceux qui ont vu l'épisode de la tondeuse, voici enfin le dénouement de cette aventure. Mon gazon est bien court, et cela est de bon augure. Effectivement. J'ai réussi à réparer la Mastercraft 1973 de mon grand-père. Ensuite, j'ai relancé le moteur pour faire quelques tests et terminer les réglages. Puis elle est morte. Encore. Le moteur a saisi pour de bon. C'est le piston qui a fusionné avec le cylindre. Et cette fois, il n'y a plus rien à faire. Comme disait James Bond. On ne vit que deux fois. 50 ans, ça reste une durée de vie exceptionnelle pour une machine. Même si, je n'ai fait que prolonger sa vie de quelques jours. Je ne crois pas avoir perdu mon temps. J'ai investi environ $80 de pièces. Ce n'est pas cher payé pour un cours de mécanique. J'ai acquis de nouvelles compétences et des connaissances. Je me suis amusé. Au final, il ne ressort que du positif de cette expérience. Cela m'a permis, entre autres, de faire le meilleur choix possible. Lors de l'achat d'une tondeuse neuve.
Magasiner les pièces, c'est souvent plus long et plus compliqué qu'effectuer les réparations. Et j'aimerais beaucoup vous apprendre quelques trucs, puis vous aider dans vos futures quêtes de pièces ou d'ordinateurs. C'est donc ce que je m'en vais vous montrer de ce pas. La technologie est comme une autoroute, accessible de partout, sur laquelle il n'existe aucune limite. Pas de maximum. Elle relie différents domaines. De nombreuses activités et des lieux de savoir, etc. Tout le monde est bienvenu. Le seul prérequis pour y embarquer, c'est d'avoir une machine capable d'atteindre la vitesse minimale. Minivan, coupé sport ou 4x4. L'autoroute de l'information ne discrimine personne. Mais le choix de la bécane est primordial. Sur cette route, je vois trop souvent des livreurs de pizza rouler en Ferrari. Ou des parents essayer de gérer leur vie de famille en smart. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'ont pas eu accès aux conseils avisés d'un expert. C'est certain qu'être livreur en Ferrari, c'est plutôt cool. Mais ça va en prendre combien des livraisons pour rembourser ce bolide? Si vous en avez la patience, Internet détient toutes les informations nécessaires, même beaucoup trop d'informations, pour vous aider avec vos achats technologiques. Pour les autres, c'est par ici. Hey, on peut acheter nos assurances auto et habitation sur l'autoroute de l'information. C'est futur! Oh, faut quand même les appeler. Le monde a changé. En effet, le monde a beaucoup changé. De nos jours, on peut magasiner nos assurances en ligne et bien plus encore. Il est possible d'acheter pratiquement n'importe quoi, sans quitter la maison ou prendre le téléphone. Pour faire cela, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un portail, comme Amazon, et d'un moteur de recherche, comme Google. La quête de pièces d'ordinateur se fait un peu de la même façon que la recherche d'un nouveau véhicule. Que vous ayez besoin d'un système complet ou d'une simple carte graphique. Votre achat sera basé sur ces trois critères fondamentaux. Le budget, le but visé et la durée de vie utile. Personne ne mérite de payer trop cher pour un objet qui cessera d'être utile avant son temps. Dans le domaine de l'informatique, les achats spontanés sont souvent la source de maux de tête et causent des trous dans les portefeuilles. Ce que vous comptez faire avec votre carte graphique a une grande influence sur son prix. Bien qu'on en trouve à moins de 100$, ces modèles ne répondent pas aux besoins de tous. Et celles qui se vendent plus de 10 000$ ne sont pas destinées à tout le monde. Prenons comme exemple quelqu'un qui fait du télétravail à l'occasion, magasine sur Internet, utilise les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Écoute des séries sur Netflix ou Disney+. Et qui aime les jeux vidéo. 200 à 400$ suffiront pour trouver son bonheur. Quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo pourra s'en tirer entre 75 et 150$. Voici un tableau sommaire qui montre le prix moyen des cartes graphiques en fonction de leur usage. Que vous soyez aux études, employé ou entrepreneur, ces utilisations sont courantes et font partie du quotidien. Si vous lisez le tableau, vous verrez que la grande majorité des gens seront satisfaits d'une carte graphique à moins de 450$. Je dirais même que plus de la moitié trouveront quelque chose de convenable autour de 200$. Les gamers de haut niveau, amateurs ou pros. Les gens qui travaillent avec la réalité virtuelle ou dans des milieux exigeants. Comme la production de films en 3D, les effets spéciaux, la création de personnages et de lieux pour les jeux vidéo, etc. Doivent s'attendre à débourser entre 850$ et plus de 2500$ pour une carte haut de gamme. Plusieurs modèles de milieu de gamme pourraient fonctionner, comme la GeForce 3060 Ti de Nvidia. Ou la Radeon RX 6600 XT de AMD. On les voit régulièrement entre 400 et 600$ sur Internet. Mais elles n'offrent pas le niveau de performance et la polyvalence des modèles plus chers.
il est toujours plus sage de bien s'informer avant de faire un achat. Même s'il n'y a que trois types de cartes graphiques pour répondre à tous les défis. En ce qui concerne les utilisateurs, il n'existe aucun profil identique. Les demandes sont aussi diverses qu'uniques. On règle presque tout au cas par cas. Après avoir trouvé la bonne carte, au bon prix, il ne reste qu'à vérifier trois paramètres afin de garantir le succès de l'opération. La compatibilité, la connectivité et les dimensions. 3 manufacturiers se disputent le marché. AMD, Nvidia et Intel. En général, un périphérique AMD aura de meilleures performances dans un ordinateur équipé d'une carte mère AMD. Les processeurs graphiques Nvidia semblent plus à l'aise avec les systèmes Intel. Quant à Intel, leurs cartes ont des performances similaires sur les deux plateformes. Bien sûr, il existe des exceptions. Les cartes modernes utilisent la technologie PCI Express, qui signifie Peripheral Component Interconnect Express, officiellement abrégé à PCIe. C'est un bus standard utilisé entre la carte graphique et la carte mère d'un ordinateur. Il fut introduit par Intel en 2004. Donc, à moins qu'il ait plus de 20 ans ou d'une rare exception, PCI Express est le standard utilisé par votre ordinateur. Si vous avez déjà acheté des meubles sur Internet, vous avez peut-être une surprise en recevant votre commande. L'enthousiasme nous joue parfois des tours. Puis on se retrouve avec un divan trop gros pour le salon. Dans le doute, il vaut mieux retarder l'achat et prendre toutes les informations nécessaires pour s'assurer que ça entre. Il faut noter les dimensions qu'on trouve en général sur le site du vendeur. Ne surtout pas confondre les dimensions de l'item avec celles du colis ou package en anglais. Si jamais vous ne les trouvez pas, faites une recherche rapide sur Google avec la marque et le modèle de la carte. Par exemple, AMD Radeon RX 7600, suivi du mot specs. Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir et plus dans les premiers résultats. Il ne reste qu'à ouvrir le panneau latéral de l'ordinateur pour mesurer l'espace réservé à la carte graphique. La hauteur, la longueur et la largeur de l'espace, définie par un rectangle, au centre sur l'image, correspondent à la plus grande taille de processeur vidéo qu'il est possible d'installer sur ce système. Bien que le naturel de l'homme et de la femme moderne soit d'être toujours pressé, la technologie est un domaine qui nous oblige parfois à ralentir. Comme le dirait si bien mon prof de biologie de secondaire 3, la meilleure façon d'aller vite, c'est de prendre son temps. Comme nous l'avons vu, il existe des cartes pour tous les goûts et tous les prix. Comme celle utilisée par l'industrie de l'intelligence artificielle et qui coûte plus de 70 000 $ pièce. Wow! Les meilleurs soldes ne sont pas exclusifs aux boutiques en ligne ou dans un seul magasin. Il faut toujours garder les yeux ouverts. Surtout pendant la rentrée scolaire, les cyber lundis, les black vendredis, les soldes de début d'année, les promotions aléatoires et les liquidations. En ce qui concerne la durée de vie des cartes graphiques, plusieurs paramètres peuvent l'affecter. Les trois plus communs sont la qualité de fabrication, les compétences de l'installateur et le type d'utilisation. Donc ça varie beaucoup. La réputation du fabricant et la garantie sont de très bons indices de durabilité. Mais il y a toujours des exceptions. Alors, les évaluations des acheteurs, les reviews de sites de geeks et les commentaires des internautes sont les bienvenus. Le plus important, avant de commencer à magasiner, c'est de connaître un peu son ordinateur. Nom du processeur, modèle de la carte mère et type d'emplacement vidéo. Ainsi que les dimensions de l'espace à l'intérieur du boîtier. Avec ces informations en main, vous serez en mesure de faire le meilleur choix possible. Et surtout de ne pas vous retrouver avec un divan qui n'entre pas dans le salon. Voilà qui conclut un autre épisode de l'Atelier SIM dans le merveilleux monde de la technologie.
J'espère que ces informations vous permettront de faire de meilleurs choix dans vos projets futurs et surtout de belles économies. Lorsque vous avez des questions d'ordre informatique ou technologique et que vous vous sentez perdu sur ce vaste océan qu'on appelle Internet, n'hésitez pas à consulter un expert. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. À la prochaine.